C'est un réel plaisir d'être devant vous encore une fois de plus pour un nouveau numéro. Je suis très ravi de la réaction de l'émission d'hier. Merci pour tous ceux qui m'ont appelé, merci pour tous ceux qui m'ont laissé le message. Mais il y a toujours un souci, je voudrais en parler ici encore une fois de plus avant d'entamer notre émission. Ceux qui continuent à nous suivre sans se faire abonner, ça ne nous avantage à rien. Si vous voulez nous encourager, si vous, vraiment vous voulez voir que nous puissions aller un peu plus de l'avant, abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche des notifications pour que vous ne puissiez pas manquer ou rater une vidéo lorsque nous le mettons en ligne. En tout cas, merci pour tous ceux qui se sont abonnés hier. Merci pour le message. Nombreux sont ceux qui me laissent aussi le message sur Instagram. Je suis là, je ne croyais pas que je ne lise pas. Je lis ces messages-là, surtout ceux qui sont aux États-Unis et en Angleterre. N'a répondu qu'à quelques abonnés, mais n'a pas s'abonner Kassi. Bon s'abonner à Kappé, parce que lorsque je regarde sur la liste de mes abonnés, malgré que vous êtes belé, dans le qui, bah, combo, bah, tout, bah, tindelenga, bah, question lobby, na moni, bah, mon abonnana, n'y était la liste. Bon s'abonner, qu'on peut s'en avoir courage. Pardon, vraiment. En tout cas, cela étant dit, j'espère que, bah, tout, bah, s'abonner, n'a noté, bah, qu'on s'abonner. Les autres, qu'on l'obélanine, on parle de quoi aujourd'hui? Mes chers amis, mboka na biso eza kokende kaka na kokufa. Mboka na biso eza kokende kaka na milinga milinga. Iye misio ya leo minda ndasema mingi juu ya mambo ya est. Ya un événement qui est en train de se préparer à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, avant que nous puissions aller au journal, avant que nous puissions vous lire les informations, je voudrais d'abord à ce que Tolandanamu, député provincial Oyo, a pesaki moi message moko pour avertir un peu le gouvernement central. Suivons cette image et puis nous revenons tout de suite. La population a décidé de nous faire porter les messages, attaquer leur porte-parole, que le gouvernement a un mois pour mettre fin à ce qui se passe dans la partie nord de la province Nord Kivu. Si ça n'arrive pas, après les un mois, la population de la partie nord de la province Nord Kivu se donne le droit de ne plus payer aucune taxe, impôt ou redevance de la province, mais aussi du gouvernement central, mais aussi au niveau local. Puisque c'est anormal que la population puisse continuer à payer les taxes, les impôts, alors que cette même population est dans l'impossibilité d'atteindre leurs champs. Voilà, c'est un message très fort, Bandeko, surtout sur l'état des sièges. C'est ce que nous allons parler de ça. Aujourd'hui, Tokolobela Makambo, état de siège. Il se passe une animosité moins terrible à l'est, surtout à Beni, à Butembo. On annonce les ADF partout. Mais qui sont ces ADF? Le peuple connaît. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler des élections de 2023, parce que ça n'a pas tout belé, il faut que n'a pas commencé. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en se disant que non, émission n'a pas besoin de m'occuper, et puis nous n'en parlons pas assez. Est-ce que je ne peux pas commencer à condenser ma point de vue n'a pas sakayango? Je vais faire de mon mieux, mais j'aime tout souvent que n'a développé, comme c'est un édito, j'aime souvent que tout tika la kaka n'a sujet mon corps. Mais je vais commencer quand même à brosser ma préoccupation à Bino. Et je vous avais dit que c'est en fonction de Babilo que le botine de la Kanga ou bien botique la Kanga, message à Bino. Il y a un na salaka na montaka émission. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous reviendrons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com.
Nord Kivu, fusillade à Nyamitende et puis Dakar, le Congo commence à retrouver l'espoir de regagner sa place de géant pour contribuer à l'émergence du continent africain. On va sur actualité.cd. RDC Irumu, contrairement à ce qu'a annoncé l'armée, la MONUSCO précise que le village Makanyanga a été attaqué par les ADF. Les meurtres de femmes accusées de sorcellerie se multiplient au sud Kivu. Congo profond, sécurité, une taxe surnommée état de siège instaurée par le FARDC à Lubero. Et puis, insécurité toujours à l'est de la RDC, le député Paul Babangu exige la démission du ministre de la Défense et de Sécurité. 7 sur 7, Irumu, ouverture à Bunia du procès des officiers FARDC et la police accusés de détournement de fonds. Et puis l'état de droit a mis à rude preuve. Huawei menace de l'extorsion de fonds et d'expropriation à la suite des décisions judiciaires malencontreuses. On va terminer sur Radio Okapi. RDC, corruption à ciel ouvert, les roulages, le ministre de l'Intérieur est interpellé à l'Assemblée nationale. État de siège, Kassim Diang dénonce les forces obscures qui tentent de saboter les efforts de la paix. Et puis, en sécurité, Irumu commande à se vide. Le député Asso appelle à une réunion spéciale de crise. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par cette aminosité aussi à Kinshasa, Batoubaza, Lobby, je crois que c'est demain, où Fayoulou sera dans la rue pour essayer encore de montrer ce muscle que non, Azako Bangi sa gouvernement OESA en place. C'est ainsi que, avant tout que Nenan, on avait été Makamboeta de siège, qui sera le sujet principal, Botikana, on a eu Bissabino, et pour nous répondre à la question Oyo. Sur Félix Tshisekedi, comment est-ce que je peux dire que nos visions naïves allaient creux et puis chronologie. Mes chers amis, ça épurche maintenant Tshisekedi. Il n'est pas un président qui a une vision et qui a le chemin de mettre cette vision en place. Bande Kongaïta, on a ça la projet, quelles sont les difficultés que je peux rencontrer dans ma contour et ma difficulté. On ne peut pas commencer à proclamer quelque chose pour proclamer comme ça. L'état de siège qui a été décrété à l'Est, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et on commence à dire que non, écotique à la racuna perpétuellement. C'est ainsi que Kabila paie aussi, dans son temps aussi, Kabila étant échoué, étant dans le chemin de ses patrons, il a laissé cette situation gangrenée comme ça, et tika la kaka nengwana. Imagine-toi de 2013 jusqu'aujourd'hui, il n'y a que de massacres. Finalement, côté kuna, elo koni nango baza kozele la. Ainsi, awa, bo limbisanga, il a pe sape message, réponse, un de nos téléspectateurs qui m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que moi je me pose à ce qu'ils sont en train de préparer pour le 16. Bandeko, na awa pe bo permettre à mon gars bango na swahili. Bandugu yetu benye biko ku este benye muko beni na mindeza kujadrese na idengo juu niliona ile nani publicité nye biko banafanya juu ya marche nye batafanya. Ya kukata batu, ya kuua, non. Moi je ne pense pas que ça soit ça la solution. Ataka ma ile neza kwa solution ke mutanja kujatake kwa soda, ou bien na ba policier, ou bien na ba nani. Ba mai saba na atakaka, ou bien les ADF saba na kuyaka kuba uwa, haba kwa ke banabambia se tutakuya le 13 ou bien tutakuya le 15, haku kwa ke. Mnye muna pashwa prepare vitu yenu, eke batu, baske, hapa njo tunengia muvita. Moi, je suis d'accord à ce que tu ingies mouvita, na tuanje kufatilia. Tu siange tena kubakia e kumumanyumba kusema seme tu si defende. Kome tunajua enemi, na nani na chef wetu na muami
mwongozi wa inchi apendi na iko tunamsubsone keko iko ndani ya ile ma problem na biko bana armée yetu njo iko ndani hatupashu tena kubambia sema leo tutakuwa le 15 ou bien tutafanya hivi le 15 ils vont se préparer ile iko idée moi mbaya moi je vous dis que haiezi kuwa mzuri. Voilà, c'est le message que je voudrais vous dire que ça mwizi anakuyaka kukuiba hasema kia seme minta kia siku gani. Nye kama muko na plan yenu ya kusema mutaanja ile mabitu ya kufanya ijumu riposte kontra ima uwaje nyeko nafanyika kule na muangalie na muna gani ya kujiri autodeterminer. Hamwezi laga siku. Sino hamwezi, hamuko munafaa kitu. Hamuko munafaa kitu. Paske ule mwenye muko munaenda kureklame ya kuna njomo nyeko na bauwa. Je crois que je suis clair sur ce sujet-là. Alors, ingine brèche nyeni tafta ni fungule hapa. Donc, je voulais, parce que j'ai terminé ça, je voulais justement ouvrir cette brèche sur les élections de 2023. Pourquoi est-ce que l'élection est biaisée? Pourquoi est-ce que nous rencontrons toutes ces histoires ici? Le temps est en train de nous faire voir la réalité. Bandeko, est-ce qu'on peut organiser une élection ou bien, je ne sais pas, élection autoyebi déjà gagnant Kozalanani? Nous sommes en train de faire la proclamation d'une victoire, d'une élection qu'on n'a même pas encore mise en place. Nous connaissons déjà les candidats, nous commençons à faire les campagnes pour les candidats. Qui est le seul candidat qui est connu avant même que tout y a Makambango en place? C'est là l'erreur de ces. Il y a union sacrée. Moi, je crois que c'est Ekosimbate. Dans le modèle autozoken de Ekosimbate, c'est pour cela. Ngana Zako Benga na lobi, Makambo, ce qui président de la République, Azamo Bali, Azako Linga Kobongi Samboka, Oyo, Anile Makambwana, Aloba Makambo élection en 2023, Ezala Susute, Total Nenya Kobongi Samboka. Et c'est pour cela que ngana zako loba na lobi totindi kaye na makambu o ya kobongisa mboka sur le plan national ya koloba to bengisa ba état généraux ya banani ya ba territoire parce que à ce moment-là nous cherchons les solutions à la base to pesi bobo konzi na base teza la lisusu te ke ono to banda koele la nani akozala mokonzi nani akozala mokonzi na 2023 à ce moment-là comme président de la République azana mo hana musimamo azana projeté ya kobongisa mboka oyo azana projet kaka ya ko continuer ko faire continuer kaka biloko oyo ezalaka mbongo iba makoto oyo okoki kobongisa mboka na loma te c'est impossible. Solution Zaka Kamoko, il faut que nous puissions aller pour la reconstruction de ce pays. Et ce ne sont pas les élections qui pourra reconstruire ce pays. Et moi, je proposerai à ce que ce qui président qu'on rétropédalait, ou bien qu'on brisait constitution, même qu'on brisait constitution, mais à faire comprendre le peuple congolais que nous n'avons pas besoin de s'imbattre. Tobanda Kobongisa, à partir de la base, reconstruction de ce pays doit se faire dans une unité. Il y a qu'on reconnaître, c'est pour cela que Ngana Lobaki, l'article 10 doit être respecté. Tobanda Nanu, quand il y a un programme et identification à Congolais, tant que tu as un bilan, on a une base, on a déjà assis. C'est dès lors qu'on pourra commencer à repenser aux élections où il y a Koluka Mukonzi Mususu. Mais ce qui le président Tshisekedi, comme il n'a pas une idée, général ya kobongisa mboka oyo akoti abandiko sala kaka makamu ndenge kabila sala ki ndenge mobuto sala ki ndenge batutu ya kubayiba kambongo basa tu ne peux pas, c'est impossible, presque impossible. Regardez ba biloko baza kokoti sa au président de la République, ba corruption à ciel ouvert comme ça. Vous pensez que kobongisa mboka oyo na kobanda kosala corruption yo moko? C'est vraiment difficile. C'est pour cela que nous disons la reconstruction de ce pays doit commencer à partir de la base. Je crois que sur cette matière-là, je suis un peu compris. Et puis, parce que je ne répondrai pas à la question à Mutumoko, ou à Bande Koeb Sanga Lobino, pourquoi Naza Kolobake Félix, yé aza na vision moko, ou aza creux. Effectivement, vision ou ekoyana, osokozo lingo bongiseloko, il faut chronologie zala. État de siège, ou ano tse kuna, tu n'as pas de solution. Oza na solution, ba toi na baza kuna baza ko salam salate. Bazako sala musala ti batu bazola la te. Regardez, totalement na ta moi vidéo oyo.
batu baza kokima mikolo nyonso chaque jour. Mais comment est-ce que batu wana baza kokima boza kosenga bango lisusu bafuta kampako eza babilo comment que ça qu'on se comprendre. C'est pour cela que nous disons le président de la République actuelle et nous continuons à le marteler qu'il n'a pas de solution pour le pays. La solution que nous avons proposée, c'est que nous avons barricadé le peuple, nous avons avancé en bas, nous avons entêté, nous avons entouré. Et nous commençons à croire, nous commençons à voir que le président n'a pas le manette de la direction de ce pays. Parce que ceux qui n'ont pas été en train de continuer à faire la décision, ils pouvaient avoir le moyen de sa politique. Et là, on est en train. Et là, on a des gens qui ont appelé sa direction dans le cas de la situation. Il y a des gens qui ont dit que non. Qu'est-ce qui lui empêche de dire que non? Ok, tu es passé dans l'élection car l'objet. Parce que tout, il a tout. Mais est-ce que chez moi, on a des gens qui ont dit qu'il y. C'est ça la question qu'il faut se poser. Chez moi, on a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a tout autre dans la carte. Bandeko, il y a à boire et à manger dans cette histoire. C'est pour cela que nous disons, il est grand temps à ce que le président de la République avanda à Kanisa. Où est-ce que je suis en train de mener ce pays? Mboko na zo me mango wapi. Batouni ni ango bazo entourenga o baza na ba 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 ba. Ba idée progressiste était. Parce que tout ce beau monde là, lui-même commence à se dire que na armée ango. Na batu o baza pembeni na ngai, je ne vois pas mutu oyo aza koko koko parce que vous-même you parce que yo moko ozana idée place te mozo mema mboka na ndenge wana na ndenge ozana idée place a komema mboka te batu nyonso tous c'est sur les champs oya koya conseil. Vous avez 1000 conseillers conseil anani siko koyokela oh stratégique, oh conseiller en matière politique, oh conseiller en matière de pêche, conseiller mboka mobimbe ko okoza ko diriger mboka oyo yo mon côté. La solution c'est de donner le pouvoir à la base, à ce que la base puisse être responsable d'eux-mêmes. Et moi j'ai proposé une solution, j'ai dit et là quoi na et puis na ko clôturer na na ko clôturer page oyo na koloba la solution qui nous est en main pour l'instant c'est la donc to banda na ba état de lieu ya ba territoire ba tout ba vanda s'il faut suspendre ba parlement na ba sénat wana renvoyer bango na ba base to ke ne ko organiser base mabiso afin que nous puissions avoir une nouvelle ordre politique. Voilà ce que j'avais à dire sur le plan Yanani ya Fatih pour répondre encore à ces gens qui continuent à marteler, à marceler avec les questions à Koloba Kenonga na linga Fatih tena. Té, ce n'est pas question de me Fatih ou quoi que ce soit. Et ça, question à réfléchir, tokobima awa ndenge nini. Mboka na biso tokobanda ko développer ango combat. Comment est-ce que nous pouvons rétablir l'unité na. Allô,
parti à Souka, au Tokota Siko, on a état de siège. Ni Nyamozo s'est passé exactement sur terrain. Bande kombo kanini oyo. Bosi bomona batu bazako ba mando keza ko circuler na ndenge otola ndana no ta mwa video moko awa ya batu bazana kote a Sud Kivu kila nini kila section kule kuma brigade mukavule bile mabitu na ile yenye kuma escortage yenu bakie tu vile vile sipende kusema sema mnakamata islamu nazitia kuma escortage mwende mbapatie na ku position kule ku position avancer kwende ma machine namna ya kujitayarisha kwa usalama na kuendelesha ulinzi mzuri sana makamanda. Ndio ilikuwa kidogo ambaye niliwaitia kwa kuwaonesha na kuwapatia vyombo. Sawa mzee, tunashukuru. Vyombo kweli tutakabula watoto watachunga. Basi si hatuna magazeti armema. Yetu ilifoi kuimu mikono. Mtu anakufaka na yake pale pale. Tunashukuru sana. Basi tunashukuru kutufungulia ditu kusaidia watoto basi tunashukuru sana. Sawa mzee tunashukuru. Makili hivi tutoko na tuanje ndio kabla kwa section kiko mabatayo. Sio mwisho. Obrigado iko na vya kwao na toa mkuzungumza na problem. Rafa vikabudia sasa hivi mzee. Avuzon. Merci. Voilà. Ces gens-là sont-ils des militaires bazaba tu vas faire des essais? Est-ce que bazaba qui sont ces gens ici? Territoire Oyo, est-ce que ils sont sous contrôle? Est-ce que tu sais qu'il y a un président à côté kuna? Les gens qui s'autoproclament comme ça, batouana sobotani ba revendication na bango. Ces gens sont en train de parler des choses réelles. Mboka na biso ezokende ba paya bazako va même ba paya ndemu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui sont en train de commanditer ces gens-là. Batouana bazwa kama minduki wana wapi. Nos frontières sont poreuses, tout ça. C'est pour cela que nous disons que Biloko Oyo, le président de la République, est venu à la tête de ce pays sans un plan à commettre en exécution. Akanisa ki kakake, soko lobi kaka état de siège, et kosa le maka nengwana te. Notre armée est en train de tuer à Beni. Notre armée est en train de tuer à Nitouri. Pendant ce temps-là, dans notre armée, il y a des éléments Oya solo, Batu Obaza Kolinga Kobundelamboka. Ils sont là, mais mélangés avec les mauvais. Nakatiaba politicien, Ezana Batu Obaza Kosapote Babiloko Oyo. Tu ne peux pas dire que pendant 2 ans, Oyebi Bamote. C'est parce que tu n'as pas, Oyebi Kosala, tu n'as pas de solution. Président de la République, pourquoi est-ce que l'opposition ne peut pas venir ou bien bato na parlement ba okikoya kolobate que non faites ceci, ceux qui connaissent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à nous, la population. Ba ennemi na yo o bazana kati ya armée ba kokiko linga jamais état de siège wana ici là. Ces gens-là sont en train de s'enrichir bato na o état de siège. Yo, il y a des millionnaires qui se font dans l'armée, na kati armée na biso, ba millionnaire bazako salema, batwana eza okoyoka kaka bazako finga. Ceux qui viennent pour mettre la sécurité, bango moko mtu bazako lo baono, ba ADF bazana ba bazana ba bazana ba boutique ba ADF. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous avez arrêté bango te? C'est ainsi la même chose que tozako lo ba a likambo mboso. Mboso est en train de mettre Tshisekedi les bâtons dans les roues sans que lui-même ne se rende compte. Comment vous pouvez commencer la campagne électorale sans que même vous ayez mis les commissions électorales dans l'office? Nous disons que c'est le premier ennemi, il y a Félix Tshisekedi. Et que Félix, il faut comprendre un mot. Parce que bon, il a déjà été roulé dans une farine où lui-même ne se retrouve pas. A komikaka, ba menye kote, non, nous allons vous faire... Mais bon, organisez dans nous seni. Est-ce que ma kambwa komanda kosa la campagne est royo vraiment? Parce que bon, moni ba corruption n'engeza kosa le mababilo kwana. Alors,
parenthèse wana yamwana azoloba les ennemis de Félix sont tout autour de lui et puis Bazui est captif parce que il n'a pas un musimamo, il n'a pas une vision, il n'a pas ce pouvoir là de se mettre d'implémenter le chemin où on peut faire sortir le pays na marasme oyo aza entouré carrément avec les djalolistes bato baza ko réfléchir te bandeko. Notre armée, quand je vous dis qu'il est en train de tuer à Beni, vous ne pouvez pas croire. Les témoignages que nous avons ici, comment Batouaza, na commande il y a des jours, tant que le président Zako Lobakuna dans les Nations Unies, que non, il a progressé, Batouaza, Kima, Mitoukeza, Tumbama, na Beni, on ne dort plus. Moi je vous dis parce que nous connaissons la situation sur le terrain. Alors, manifestation au Batbazako Babandiango super malembe. Et ça koya. Les gens vont braver la peur et commencer à se mettre devant les soldats. Ou bien Babandisiko et Kobandasiko, guerre civile, bas soldats à solo, au bakosa la côté à la population, pour Baboma. Bas soldats oyo baza ba complice parce qu'il y a des groupes de militaires baza ba yebani na ba politiciens. Alors la population connaît déjà tout ça et totikali kane loko moko muke guerre civile penze bandakuna parce que déjà même ba armes anango kiolé la côté kuna faire de ces bombes et ko contrôler ta nani azana arme te oyo bo ete on distribue les armes comme ça na katia ba milice wa neza na katia ba faire de ces ezana ba faire de ces oba kenda ka ba opération a koboma oba ke ba kenda ka ko support banyabwisha ce sont les commandants faire de ces de banyamulenge bazali comme ba faire de ces baya kanyos bangonyoso na ba réunion ba lobino kinchase sali boy mais pendant ce temps ils ont les enfants bazana ba groupe ba tu bazo bozo ka banyabwisha qui sont en train de contrôler ya koloba bon tokobeta plaster bon calmer nam tokobeta plaster pourquoi pas to yebi que non na parti wana est-ce que le faire de ces ne peut pas encercler ba lobite par exemple commande mobimbande ba opération zo salem faire de ces asolo soke zala elinga ko sili selo ko wana ba ko ko sili sango dans une semaine mais on ne le fait pas ba komi ko sala kaka ba tactique a koloba non nous allons organiser ba escorte ba mituka et salaka on n'a pas besoin de faire le commerce tant que l'insécurité règne. Donc, na ba oyo bazo yeba ke l'insécurité tango ezali ne tango ba misala kambongo. Les phares de ces malheureux, les ennemis du peuple connaissent maintenant ça. Yango na baza ko profiter nango. Bandeko, si j'ai oyo, eza ko pesa basi. Je veux vraiment m'arrêter ici, malgré moi. Parce que zana ba elements pelé. Oyo phares de ba dénonciation ezali. Que côté kuna ezaka katoye bani. Alors, avant de terminer, ko salaka moi rappel, y a solution oyo, est-ce qu'il faut esalema. La solution que le peuple attend. La première des choses, nous avions demandé de cantonner les FARDC, ça c'est un. De part effectif à Monisco, Monisco il faut e kangabisaka na bango ba kende. Remise parce que nazako lo basiko ba banane ba solution oyo yasika remise à lokwana état de siège longwa convocation imminente à état de ba état de lieu ya ba territoire na kati ya ba province wana mibale Ituri nanani na Nord Kivu na disons côté Beni kuna Nord Kivu il faut tombenga ba conférence ba état de lieu ya ba territoire batou quelle la population puisse être rentré dans ses droits. Et puis, il y a une fois à la bien déterminé à rétrocéder le pouvoir dans Batouana, dans l'état de Liéouana. Tant que le peuple va s'enganater, contrôle. La fermeture de nos frontières à l'est de la République démocratique du Congo, au moins pendant 2-3 mois. Fermeture carrément y a la frontière et tout. Na weekend oyoti koleka awa donc non hier lundi. Il y a des gens à peu près une centaine de personnes qui sont entrées
Bauti Uganda na côté à Kasindi, on ne sait pas, ils sont entrés dans les véhicules de la MONUSCO. Ba memi ba toana toi bi destination na bangote. Mais il se prouve que ezana forcément que ezako se regrouper pour ba attaque à solo et banda. Ba attaque wana ba ko attaquer nani? Bandeko, na kati ya FARDC na zako yebiso ke ba ADF bazakuna na kati, il y aura une guerre civile ya kolongo la FARDC, ya kobeta FARDC et puis ko occuper territoire wana mobimba. Et ko uta à partir ya Ituri ti oyeko koma na Goma. Parti wana nyoso, force wana zako se reconstituer. Parce que déjà dans le Masisi, batu wana bazali, kote a Ituri, bango bazako pelisa, kote a komanda kuna. Ça c'est un sujet que vous ne devrez pas manquer, il y a autodétermination ou bien balkanisation au Togo. Ça là je crois, dans les deux jours qui vont venir. Je vous rappelle encore une fois de plus que l'émission n'a pas eu de sous régulier était comme nous le faisions. Donc, tu as nous collecter ça deux ou trois jours à collecter puis tu as émission. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de proposer, de préparer un autre projet au Togo lancé en 2022. Je crois vers le mois de mars ou bien avril. Projet en Ezo Sengapé, Bissoto Zalanata. C'est pour cela que vous allez voir, tu as bandata nous collecter ça journée, mon ou bien mi balai, tu as émission. Juste quand nous donnons notre temps à la construction de ce projet-là. Merci beaucoup, n'oubliez pas vraiment de vous abonner. Il faut botti capé ba banane na bino ba commentaire et ça il sakabiso mingi poto orienter ba discussion na biso na contact pro là. Portez-vous bien, on se revoit dans un nouveau numéro très prochainement. Au revoir.